Bienvenue dans la Coach Respiration. Afin d'offrir à votre corps la meilleure façon de respirer du point de vue de la science, voici cet exercice. L'enchaînement simplifié des 7 mouvements de base de Coach Respiration. Mains en appui, bras à l'horizontale, expirez en éloignant le menton de vos mains et en vous grandissant. Puis, en apnée, placez la tête entre vos bras et à nouveau éloignez votre menton des mains. Inspirez. Puis, expirez à nouveau en vous grandissant et en éloignant votre menton des mains. À nouveau en apnée, placez votre tête entre vos bras, éloignez votre menton des mains et inspirez. Expirez à nouveau en vous grandissant et en éloignant votre menton des mains. Nous allons enchaîner 4 expirations sans inspirer. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts et inspirez grand comme avant un bâillement. Puis expirez une première fois en profondeur. Une brève apnée, réexpirez profondément, bloquez le souffle, étirez-vous en ouvrant un pied. Troisième expiration en profondeur, bloquez le souffle, étirement en ouvrant l'autre pied. Quatrième expiration en profondeur, bloquez le souffle, s'étirer jusqu'au bout des pointes de pied, posez les talons, serrez les poings et, main sur le thorax, inspirez tranquillement par le nez. Expirez le plus profondément possible en produisant le son O, en enchaînant avec les mains 3 mouvements. Les projeter vers le sol, les ramener au-dessus de la tête, pousser vers le ciel. Les projeter vers le sol, les ramener au-dessus de la tête, pousser vers le ciel. Lorsque vous n'avez plus d'air à expirer, tranquillement posez les mains sur le sternum et laissez-vous inspirer, puis respirer librement. Pour cet exercice, vous devez connaître la clé numéro 1 de Coach Respiration. Au besoin, voyez la vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube. Expiration en chaud, je pousse les mains et les épaules vers l'avant. Je poursuis en froid, en levant les mains vers le ciel. Inspiration, petite bouche grand bruit, mes mains montent encore plus vers le ciel. J'inspire encore. Expiration en chaud en gardant les mains bien en l'air. Suivi de expire froid et je me laisse inspirer zen. À nouveau, expiration en chaud, épaules et mains vers l'avant. Expiration en froid, je monte les mains vers le ciel. Inspiration bruyante en petite bouche grand bruit, je laisse monter mes mains le maximum vers le ciel. Je repars en chaud, expiration froid et inspire zen. À présent, videz vos poumons en enchaînant des expirations avec projeter des mains vers le sol, suivi d'apnée avec pousser des mains vers le ciel. Donc, expiration avec projeter des mains vers le sol, puis apnée avec pousser des mains vers le ciel. Et vous répétez ce mouvement de projeter, apnée et pousser autant de fois que vous pouvez afin de vider vos poumons. Lorsque vous arrivez au bout de cette expiration, bloquez poumon vide en apnée et détendez-vous en massant l'arrière de votre crâne pour faire durer cette apnée aussi longtemps que possible. Lorsque vous ne pouvez plus retenir votre besoin d'inspirer, inspirez, expirez 3 fois le plus tranquillement possible. Au bout de votre 3e expiration, placez vos 2 mains sur votre poitrine et suspendez à nouveau votre souffle. Au bout de quelques secondes, un grand calme va revenir en vous. Dites-vous alors en pensée, à chaque battement de cœur, j'ai le droit de prendre soin de moi, d'être en bonne santé, d'être heureux. À chaque battement de cœur, je prends soin de moi, je suis en bonne santé. Je travaille à rayonner la joie, la gratitude et l'émerveillement. Puis, laissez-vous respirer librement en essayant juste que vos mains ne se soulèvent pas. Travaillons assis. Cet exercice aurait également pu être pratiqué en position allongée. Commençons par serrer les genoux et expirez aussi profondément que vous pouvez en gardant les genoux serrés.
en gardant les genoux serrés, inspirez petit, et réexpirez en ajoutant aux genoux un soulèvement de vos orteils. Inspirez en gardant tout mobilisé, et expirez en ajoutant les poings serrés et les paupières, aussi profondément que possible. Relâchez tout pour inspirer, et on recommence. Commençons par serrer les genoux, expirez le plus profondément possible, petite inspiration et expirez profondément en ajoutant un soulèvement des orteils. Puis, à nouveau, prenez une petite inspiration et expirez une troisième fois en profondeur en rajoutant les poings serrés et les paupières. Puis relâchez tout pour vous laisser inspirer. À présent, laissez votre respiration évoluer librement et savourez les sensations dans votre corps. L'exercice que vous venez de voir appartient au volet respiratoire de la coach respiration. Pour découvrir les autres exercices et pratiquer l'enchaînement complet qui vous apportera de nombreux bienfaits, je vous invite à découvrir mon livre paru aux éditions Soukar et qui vous apprendra comment offrir à votre corps la meilleure façon de respirer du point de vue de la science. En attendant, prenez soin de vous, essayez de pratiquer chaque jour et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.